بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي أبنائي بناتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مزلمي 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 مفخار زي سور مفي مفي سي زي مفي. Je vous dis السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je vous aime tous en Allah. Mes amis et mes frères en humanité, ceux qui n'ont pas encore eu l'honneur et le bonheur de rencontrer l'islam, de connaître l'islam, débarrassez-vous de vos préjugés, de vos a priori, de votre orgueil, de votre fanatisme, de toutes les choses qui vous ont endoctriné et parasité. Et récupérez-vous, et vous allez enfin être étonné. Vous allez être agréablement surpris, vous allez finir par vous comprendre, comprendre le monde qui vous entoure, comprendre le pourquoi du comment, et surtout rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, rencontrer son prophète, rencontrer ses prophètes, rencontrer sa parole, et rencontrer ce qu'il attend de vous. Lancez-vous, débarrassez-vous de la cathode cybernétique et médiatique, et faites une recherche sincère, et vous avez tout ce qu'il faut aujourd'hui pour une recherche sincère. Qu'Allah vous accorde les délices infinis de la guidée islamique, on entre directement dans le vif du sujet, sachant que le vif du sujet a déjà été traité, a déjà été apprivoisé. Un frère en humanité me dit, suite à un rappel intitulé « L'abbé Guy Pagès et sa vidéo « L'islam en moins de 2 minutes ». L'abbé Guy Pagès et sa vidéo « L'islam en 2 minutes ». Donc c'est un gros rappel qui fait plus de 56 minutes, je pense. Et donc un monsieur est venu me dire la chose suivante. Comment s'appelle le monsieur? Il s'appelle Claude. Monsieur Claude. Jacques a dit, Claude a dit. Très bien. Donc il me dit quoi? Je regrette. Virgule. Mais en réalité, pas vraiment. Virgule. De vous informer que... Pourquoi tu te casses la tête? Qu'est-ce que tu racontes? Mais je te comprends. Donc tu es orgueilleux. Tu es très orgueilleux, très sectaire, malheureux, et tu joues le malin. D'accord? Donc tu dis, je ne regrette pas. Tu me dis directement là ce que tu veux dire, et c'est bon. Tu me dis, je vous informe que. Tu me vous vois, c'est que tu me respectes. C'est que tu as de bonnes valeurs. Bien. Moi, le respect n'est pas lié à tu et à vous. Je viens d'une culture où le respect n'est pas lié à tu ou à vous. Tu sais bien que dans ta culture, on vous voit des gens alors qu'on les déteste à mort, alors qu'on n'a aucun respect pour eux, alors qu'on joue des années et des années avec eux, un jeu d'hypocrisie totale. D'accord? Nous n'avons pas les mêmes valeurs, n'est-ce pas? Tu me l'annonces et je te l'annonce déjà en entrée de jeu. Mon rôle à moi, c'est de t'éduquer, de te dire qu'il y a d'autres types de valeurs, d'essayer de supprimer l'orgueil en toi. Je suis parfois dur, Naam. Je suis Naam, si oui. Je suis parfois arrogant, oui, je l'assume. Parfois, je secoue la personne. Parfois, je suis rigoureux et vigoureux avec ceux qui veulent venir jouer les malins. Tu as joué le malin, donc tu vas devoir me supporter. D'accord? Très bien. Donc, il me dit quoi? Il me dit, je regrette, mais en réalité, pas vraiment, de vous informer que lorsqu'un corps est incinéré dans un crématorium, le corps n'est complètement réduit, n'est pas, n'oubliez-le pas, n'est pas complètement réduit en cendres. Les restes passent dans une machine à broyer et le rendent définitivement en cendres. C'est comme si j'ai fait un rappel ou une vidéo sur l'incinération des corps. Je ne sais pas, peut-être il a vu quelques secondes. Après, il faut toujours me dire, la minute Intel, mon frère, j'ai fait plus de 1065, je peux même dire 1080 rappels sur Internet. Il faut que tu me dises, la minute Intel, tu as dit. D'accord? Et je reprendrai ce que j'ai dit, je l'expliquerai autrement, d'accord?
Donc, mon frère, parfois, nous sommes très concentrés sur un sujet. Mon sujet était Guy Pajas, qui joue le malin lui aussi, qui n'arrête pas de jouer le malin. Et je l'ai contacté en privé pour lui dire, allez, allez, viens, allez, montre-moi ce que tu sais vraiment, ce que tu vaux vraiment. Et il n'a même pas jugé utile de répondre. D'accord? Donc, c'est le corps et l'esprit de rappel, c'est autour de ce que Guy Pajas raconte. C'est pas autour d'incinérer ou pas de décor. Maintenant, je t'annonce la bonne nouvelle. Donc, tu joues le scientifique avec moi, je t'annonce la bonne nouvelle. Mais je sais ce que tu racontes, ok. Combien même. Tu sais, quand j'étais jeune, et même jusqu'à récemment, il y a un an ou deux, j'aimais bien regarder une émission qui peut t'étonner. Une émission sur les chaînes de la TNT, elle s'appelait Enquête impossible. Pierre Belmar, avec Pierre Belmar. Ça date d'il y a 10-15 ans, cette émission. Et moi, j'aimais bien regarder ça. Quand j'avais le temps, je regardais ça. Tronçonneuse, massacrée, tuée, d'accord, assassinée. Il n'y a que ça dans l'émission, d'accord? Mais moi, ça me plaisait bien. Je regardais ça. Donc, je sais ce que c'est qu'incinérer un corps. Voilà, tuer quelqu'un, essayer de le brûler pour qu'il n'y ait plus rien. Tout ça, je sais. Et je suis d'origine scientifique en plus, attention. Je suis d'origine scientifique. Donc, j'ai étudié le corps humain, dont la biologie cellulaire, la biologie animale, des corps animaux, d'accord? La génétique, tout ça, ça m'a pris un certain nombre d'années. D'accord? Allah a voulu que j'étudie ça sur un certain nombre d'années en plus. Naam. Oui, naam, c'est oui. Donc, tu es venu. Voilà, je veux dire, ok. Tu m'as donné une information. Combien même maintenant, Abou Man, Mustapha, ce barbu bizarre, ne sait pas que si on met un corps dans un four, à 7000 degrés, à 10 000 degrés, 3000 degrés, à 2000 degrés, il ne brûle pas en entier. Est-ce que c'était ça l'objet du rappel? Tu te rappelles de la fameuse maxime de Bruce Lee? Bruce Lee? Tu fais à quelqu'un? Tu fais comme ça, vers la lune. Lui, au lieu de regarder la lune, qu'est-ce qu'il voit? Il regarde ton doigt. Tu te rappelles de la maxime, tu te rappelles du proverbe, n'est-ce pas? On a un autre aussi. La personne sage cherche le bien dans une parole. L'hypocrite, l'instable, le minable, le zigzagué, hein, cherche les erreurs, cherche à jouer le malin. Donc il fallait que tu me dises ce que tu penses du rappel. Il fallait que, puisque tu as rencontré ce personnage, moi, que tu approfondisses un peu le monsieur, pour que tu vois qu'il fait un travail que toi, jusqu'à ton arrière, 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 grand-père, vous n'avez pas produit. Donc tu dois me remercier. Tu dois venir m'encourager. Tu dois venir me soutenir. Pas me rencontrer sur un petit passage et tu viens jouer le malin avec moi, c'est pas ça, c'est pas intéressant ça. Donc pour que tu commences à comprendre ce que je suis et ce que j'essaye de faire, tu dois faire l'effort nécessaire de m'écouter. D'accord? Parce que moi, mon ami, à la différence de toi, je suis jamais parti depuis la naissance d'Internet que j'ai vu naître. Je suis jamais parti déranger quelqu'un dans son site Internet ou dans sa chaîne YouTube ou dans son compte Facebook. Jamais, au grand jamais. D'accord? Et si jamais il me passe par la tête d'aller faire, chose qui ne m'intéresse pas du tout, j'approfondis d'abord la chose, le personnage. D'accord? Non, donc il continue en jouant encore le malin. C'est pas très reluisant comme connaissance, très bien, ok. Mais si vous commencez à dire n'importe quoi dès le début, il est normal que vous ne soyez pas vraiment crédible pour la suite. C'est logique. C'est dans ta logique. D'accord? Donc il faudra que tu me dises la minute ou que tu me cites le texte pour que je te dise ok, le sujet ce n'est même pas, c'est pas ça du tout. D'accord? Maintenant, mon frère, ça n'intéresse pas quelqu'un comme toi. Je vais le dire avec tes mots. Il est normal que vous ne soyez pas vraiment crédible. Je ne suis pas crédible pour quelqu'un qui n'a pas fait d'effort de me connaître, qui ne connaît rien, le pauvre, de ma manière de faire, de ce que j'essaie de faire. Ça ne t'intéresse pas. Tu n'es pas encore mûr, tu n'es pas encore mature, et tu es indigne de mon rappel, de ce que j'essaie de faire.
Donc un jour tu seras mûr, un jour tu seras mature, et tu viendras m'écouter, point barre. D'accord? Maintenant, je n'intéresse pas, je ne suis pas crédible, comment tu le sais? C'est moi qui est dans le four. C'est moi qui est dans le crématorium. Bon, c'est moi qui vois. C'est moi qui sens. Hein? C'est moi qui subis aussi. D'accord? Donc je vois mon frère. Ça intéresse beaucoup de monde. Des gens d'un niveau très élevé par rapport à toi. Des gens sages, apaisés, brillantissimes, très malins, dans le bon sens. Ça les intéresse. Ils encouragent, ils aiment. Ça les émerveille aussi, ça les apprivoise. Ça les étonne, cette manière de faire la prédication, la da'wa. Cette manière de s'adresser à l'humanité, quelle qu'elle soit. À l'humanité, quelle qu'elle soit. Maintenant, c'est à toi de faire l'effort, mon frère. Donc fais-le. Il me dit quoi d'autre? Comme il dit encore, il est normal que vous ne soyez pas vraiment crédible pour la suite. C'est logique. Okay. C'est dans ta logique à toi. Si vous êtes considéré comme un savant, il faut vite retourner à l'école. Je ne me suis jamais considéré comme un savant et personne ne me considère comme un savant et ça ne m'intéresse pas qu'on me considère comme un savant. Et toujours par rapport à ces adjectifs, je dis, qu'est-ce qu'un savant? Qu'est-ce qu'un imam? Même le mot prédicateur, dès le départ, j'ai dit qu'il me pose un peu problème. Qu'est-ce qu'un prédicateur? Qu'est-ce qu'un scientifique? Qu'est-ce qu'un littéraire? Qu'est-ce que? Donc par rapport à ce type de malheur, moi je dis toujours qu'est-ce que? Ça veut tout dire, d'accord? Donc je ne me suis pas considéré comme un savant et on ne me considère pas comme un savant, mais j'ai un savoir. Mon savoir, c'est que je suis moins ignorant que toi. Mon grand savoir à moi, c'est quoi? C'est que je sais, je suis savant qui maîtrise le savoir suivant, c'est que je suis moins ignorant que toi, moins obtus que toi, moins limité que toi. Tu vois, je ne dis même pas, je suis plus savant que toi. Je dis, je suis moins ignorant que toi. Et j'ai toujours répondu à des gens qui te ressemblent comme ça. D'accord? Retourner à l'école, bismillah, j'ai défié des gens comme toi depuis des années et des années et des années. Donne-moi ton numéro de téléphone. Ou je te donne mon Skype, mon identifiant Skype. Et je voudrais t'écouter pendant 10 heures. Je prie une salat, la salat de l'Aïcha, que tu connaîtras un jour, et je te consacre de l'Aïcha jusqu'à l'Fajr. La prière de l'Aïcha jusqu'à la prière de l'Fajr. Ça nous fait à peu près, selon les saisons, 7, 8, 9, 10 heures. Sans bouger de mon bureau, sans faire pipi, sans aller faire pipi, et sans boire. Et on lance dans le savoir. Quel que soit ton âge, quelles que soient tes connaissances, quel que soit ton savoir, je ne pourrai que t'émerveiller par les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vois, plus arrogant que ça, tu meurs, n'est-ce pas? Plus vaniteux que ça, tu meurs, n'est-ce pas? Quand on voit le mal. Mais un jour, tu comprendras ce que j'essaie de te dire. Naam. Naam, si oui. En vous souhaitant, il a mes points. Ok. Entre parenthèses, PS. Quand on est en France et que l'on s'adresse aux Français, la moindre des politesses est de parler français, du début jusqu'à la fin. Surtout que lorsque je vous entends parler en arabe, non seulement je ne comprends rien, mais en plus ça me donne envie de me racler la gorge. Donc quand on est en France, on doit s'adresser aux gens en français. Très bien. Non. Et ça, c'est l'ancien en blanc, le pauvre. Ça, c'est le Seigneur. Toi, tu es le Seigneur et moi, je suis Conta Quinté. N'est-ce pas? Toi, tu es le Seigneur en blanc et moi, je suis Conta Quinté. Toi, tu es le Français d'un très haut voltige, brillantissime, et qui part en Afrique pour la sauver de l'ignorance. D'accord? Comme disait Victor, allez en Afrique, il est à vous. Vous êtes pour l'homme noir, l'homme blanc est pour l'homme noir, ce que l'Europe est pour l'Afrique. Oh là là! Oh là là! Fini, mon ami.
Il y a des gens français qui ont passé 30 ans dans nos pays arabes et qui n'ont même pas jugé utile d'apprendre un mot en arabe et qui nous parlent en français. Il y a des gens qui sont venus dans nos pays il y a 20 ans, français. Leurs femmes se mettaient en string dans les plages arabes et personne ne disait rien. D'accord? C'est un exploit de te parler en français et de connaître ta culture plus que toi-même et de connaître ton histoire plus que toi-même et de maîtriser ta langue française plus que toi-même. C'est un exploit, mon frère. Tu dois tirer ton chapeau et tu dois me remercier. D'accord? Si je te parlais en arabe de A à Z, oui, ça peut te déranger, ça doit te déranger. Mais moi, je ne m'adresse pas qu'aux Français. Je m'adresse à des musulmans, à des chrétiens, à des juifs, à des athées, à des bouddhistes, à des satanistes, à tout type de personnes qui parlent le français. Mais au début, je dois te rappeler quelque chose par laquelle on commence, d'accord? Quand on s'adresse à des musulmans ou à des non-musulmans, si tu veux, sur Internet, je balaye tout le monde. La moindre des choses, c'est un minimum de connexion en arabe littéraire avec Allah subhanahu wa ta'ala. Je cite un verset, je prie sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je fais les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne peux pas me l'interdire. Tu patientes 30 secondes à 1 minute et tu entendras mes amis et mes ennemis. Et tu diras, c'est la première fois que je vois quelqu'un qui s'adresse à ses ennemis de cette manière. D'accord? Donc non, je ne vais pas te faire ce plaisir. Oui, tu peux toujours me dire, je peux toujours le comprendre dans le cadre d'un raisonnement apaisé. Parler en français de A à Z, ça peut te permettre en entrée de jeu de dire aux gens qui t'écoutent, je parle français. Ceux qui passent par là, qui ne t'écoutent, qui ne te comprennent pas, qui ne te connaissent pas, peuvent croire, peuvent penser que c'est un rappel, que c'est un conseil, que c'est des paroles, c'est un serment en arabe littéraire. Les arguments peuvent se valoir, mais vous devez avoir un minimum de curiosité. Vous devez vous dire le titre en franc et en français. Vous devez voir à droite qu'il y a ma tête partout. Vous devez vous dire, il y a des commentaires en français, c'est que les gens l'ont compris en français. D'accord? Tu n'es pas l'homme blanc et je ne suis pas l'esclave. D'accord? J'ai un grand-père direct, le père de mon père, qui a tué un haut gradé de l'armée française. N'est-ce pas? Parce que cet haut gradé est venu coloniser mon pays. D'accord? Malgré tout le mal que vous avez fait, malgré tous les assassinats que vous avez commis, malgré toute la division que vous avez installée, donc vos arrière-grands-parents, tu vois que je t'ai pardonné, que je vous ai pardonné, tu n'as rien à voir avec, n'est-ce pas? Je vous ai pardonné. Je me suis bien intégré, le fameux mot intégré, dans votre pays, et je parle mieux votre langue que vous, d'accord? Et elle m'intéresse plus et mieux que vous, d'accord? Et je connais votre histoire plus que vous et mieux que vous, d'accord? Et je sais comment on vous a manipulé plus que vous et mieux que vous, d'accord? D'accord? Maintenant, est-ce que tu connais quelqu'un de ta race? Tu vois, c'est le mot, de ta race, méchant, tu vois. Qu'est-ce que tu connais quelqu'un de ta typologie? Typologie de personne, de ta France, hein, qui parle nous parler à nous en arabe littéraire. Tu l'as jamais vu ou pas? Tu pourras passer des vies entières sans jamais entendre parler de ça. Ben, l'heure viendra, Inch'Allah, d'accord? L'heure viendra où vous allez devoir apprendre l'arabe comme il y a quelques siècles. Il y a quelques siècles, tes arrière-grands-parents étaient considérés incultes. Incultes. S'ils ne connaissaient pas l'arabe littéraire. Donc l'heure va devoir revenir, d'accord? Oh, tu vas devoir consacrer à l'arabe littéraire beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et l'heure est presque déjà arrivée parce que mon frère, il n'y a pas de famille française aujourd'hui qui n'a pas un lien direct ou indirect avec les musulmans. Tu le sais. D'accord? Et les musulmans sont en train de se réveiller. Et les musulmans se disent, oui, le français, on ne le maîtrise même pas, malheureusement. Les musulmans sont en train de se dire, même le français, on ne le maîtrise pas. Donc on va finir par l'apprendre. Pour l'apprendre, on va redevenir musulman, parce que l'islam nous apprend la rigueur. Et on va devoir aussi apprendre parfaitement l'arabe littéraire, qu'Allah a choisi pour le Coran, qu'Allah a choisi pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah a choisi pour les compagnons. Je sais même Jésus, puisque la vidéo a été faite
Pour, suite au malheur de l'hypagèse, même Jésus lui-même viendra prier derrière nous à la fin des temps. Même Jésus lui-même viendra prier derrière nous en arabe littéraire à la fin des temps. D'accord? Mais tu n'as plus rien à voir avec Jésus, n'est-ce pas? Tu n'as plus rien à voir avec la religion, quelle qu'elle soit, n'est-ce pas? Tu n'as plus rien à voir avec la morale, peut-être, n'est-ce pas? Tu as à voir avec le siècle des Lumières, peut-être. Hein? Avec le matérialisme, peut-être. Avec l'athéisme, peut-être. Ou avec un sectarisme chrétien. Peut-être tu es un sectaire chrétien qui n'a pas apprécié que je parle, que je réponde à Guy Pagès. Guy Pagès, bizarre, malheureusement, et indigne de prendre la parole sur Internet. Guy Pagès est un escroc, malheureusement. Guy Pagès ment sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Guy Pagès ment sur sa propre religion, sa propre religion. Guy Pagès pleure de l'intérieur. Guy Pagès est comme tous les anciens chrétiens ou les nouveaux chrétiens, comme les anciens athées, comme tous les anciens athées ou les nouveaux athées, comme tous les anciens matérialistes ou les nouveaux matérialistes, comme tous les anciens ennemis d'Allah, de la religion d'Allah, de la morale, quelle qu'elle soit. Et il pleure, tu sais pourquoi? Parce qu'il voit que quelles que soient les ruses, quelle que soit la puissance des forces du mal, l'islam continue à se propager, à se diffuser, à intéresser, à mobiliser, à fédérer, à modifier, à métamorphoser, à changer la vie de milliards et de milliards et de milliards de personnes. Tout au long de l'histoire, quels que soient les ennemis. Donc, monsieur l'homme blanc, qui est encore dans les anciennes époques, un descendant d'un esclave ou d'un colonisé ou d'un indigène qui a combattu tes arrière-grands-parents et tes grands-parents, te dit: viens dans l'échange intelligent. Viens dans le respect mutuel. Viens dans l'ouverture d'esprit. Viens dans la tolérance. Viens dans le vivre ensemble intelligent. Viens dans la confrontation de la matière grise pour rapprocher la matière des cœurs. Viens m'aider. Viens nous aider à sauver l'humain de lui-même. Et garde ta religion si tu as une religion. Garde tes principes si tu les as. On peut se respecter, on peut s'aimer. Mais quand on a des shayatines, quand on a des gens qui ne veulent que le mal, qui ne propagent que le mal, comme l'abbé Guy Pagès, je dois lui répondre. Je dois l'apprivoiser. Je dois casser son orgueil. Je dois le contacter en privé, chose que j'ai fait avec quelques-uns. Mais ils ont tous une chose en commun, la lâcheté. La lâcheté, ils n'osent même pas répondre. Imagine. Ils n'osent même pas répondre. Et j'ai fini parfois par avoir quelques-uns au téléphone. Je les ai défiés, on continue, jusqu'à ce que ils sont sortis de leur trou. Et c'est pas eux qui sont sortis de leur trou. C'est moi qui ai pris mon téléphone pour les appeler. Et je les ai vus comme des enfants, les pauvres. Alors tu les vois jouer les malins sur Internet. D'accord? Des enfants qui ont fait une bêtise et qui ont peur qu'on leur tire les oreilles. J'espère que tu ne fais pas partie de ces gens-là. D'accord? Donc maintenant, tu dois me parler du fond du rappel. Tu dois venir me dire, ah, tu dois venir échanger avec moi et oublie le crématorium qui va finir par te brûler de l'intérieur. Ça marche? Quitte-le, s'il te plaît, et réveille-toi. Paix! Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs en islam, bonjour, bonsoir, bon appétit, bonne évolution, bonne révolution, bonne pizza, bonne paella, bon ce que vous voulez, mes frères et sœurs qui n'ont pas encore eu l'honneur, je vais bégayer, et le bonheur d'être musulman ou de connaître l'islam. Ciao!